Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Non, moi ça va pas. Je sais pas ce qui se passe. Excusez la tête. J'ai rien que rien. J'ai que les boucles d'oreilles. Mais j'ai rien que mes soins. Je parle fort, je sais que ça m'énerve un peu. Alors je vous explique. Vous allez me dire ce que vous en pensez, me dire si vous avez la même expérience. Hier, en début d'après-midi, nous sommes allés à la pharmacie faire son vaccin contre la grippe, avec chérie. Avec toutes les lignes qu'ils nous ont fait, mais là, comme sa main droite ne marche pas bien, on l'a fait faire par la pharmacienne. Mais je ne mets pas en doute la pharmacienne, pas du tout. Mais par contre, depuis le vaccin, chérie et moi, on a les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'on se sent excessivement fatigué et comme si nous étions un peu sur un nuage. Je ne sais pas comment dire, on a une espèce de sensation de flottement. Un peu comme le lendemain d'une bringue, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si. Enfin, c'est fort désagréable. Donc on a eu ça hier après-midi. Bon, cette nuit j'ai extrêmement mal dormi. Beaucoup mal au ventre, très très mal au dos parce qu'hier on a beaucoup marché. Oui, hier on a fait Action, Auchan et beaucoup de voitures, donc le dos est cassé. Bref, oui, donc cette sensation bizarre. Dites-moi si ça vous arrivait après votre vaccin. On a demandé à un ami proche de nous qui a fait son vaccin, il n'a rien du tout. Bon, on voit le médecin vendredi tous les deux pour le sport, entre autres. Enfin, bref. Je ne sais pas, on est très mal. Alors, pas à force. Comme flingué, quoi. C'est très étrange, c'est très agréable. Et aujourd'hui, pour, je crois, la première fois sur ma chaîne, alors il y en a qui ne vont pas aimer, je pense à quelqu'un en particulier, d'autres aimeront, regarderont, mais voilà, de faire un haul action. Ouais. Je vais le mettre en gros, hein, en titre, pour que ça attire du monde chez moi. C'est pas bien, hein? Non, mais je dis à celles qui viendront pour ça, qui viendront pour le haul action, sachez que je vais peut-être en faire un par an. Hein. Et que ma chaîne n'est pas commerciale. C'est-à-dire ma chaîne, on s'en fout. Moi, je vais utiliser Action parce que je voulais trouver des trucs. Bien sûr, je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. Une chose. Mais bon, on l'a fait assez vite parce que chérie, avec sa canne, il me peine quand même. Donc, en fait, pour aller chez Action, pour faire des bonnes affaires, dites-moi, je suppose qu'il faut faire toutes les rangées d'Action, des deux côtés, pour trouver des petites choses. Je suppose qu'il y a des choses qui sont mal rangées, mal étiquetées, ou des gens les balancent n'importe où. Donc bref, tout ce que j'avais en vue, je ne les ai pas vus. Vu? Je l'avais pas vu. Non, sans déconner. Donc je suis revenu blasé. Bon, j'en ai quand même dépensé 40 euros. Attendez, parce que je me suis très bien organisé. Parce que les vidéos actions où les gens cherchent sur l'article et le prix, même pas. Donc j'ai tout marqué sur mes articles. Et j'en ai eu au total pour 46,31 euros. Quand même, de merde. Et après, comme nous avions des courses à faire. Et on est tombé sur un Auchan. Ouais, on s'est pas fait mal. Hein. Non, ben non. Oh, qu'est-ce que c'est nul que j'ai fatigué, c'est encore pire que d'habitude. Hein? Donc on s'est dit, bah tiens, on va faire nos courses ici, tant qu'on est, au lieu d'aller chez à côté de chez nous, tant qu'on est sur place, ça revenait au même. Bon, un Auchan que tu connais pas, remarque, c'est intéressant. Mais c'est un petit Auchan. Il est vachement bien achalandé. On a trouvé des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Enfin, qu'on trouve pas dans notre Auchan, parce qu'on est tellement habitué au notre Auchan qu'on va au tout but, remarque, c'est mieux. Et là, on a trouvé deux, trois. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, mais bon. Je vous présente donc l'article Auchan que j'ai acheté pour ma pomme. C'est une bricole. Enfin, quoi que. Vous me direz ce que vous en pensez, sincèrement. Voilà. Je voulais une robe, mais il n'y avait pas. J'avais mis une robe comme ça, oui. C'est un top. Un top. Regardez, joli. Hein. C'est un top, vous voyez. Élastique, là, comme j'aime bien. Vous voyez? Voilà. En, comment je peux dire, en espèce d'une sorte de crêpe. Un peu. Bon, il n'y a rien marqué, bien sûr. Bref, c'est-à-dire, et ce que j'aime, c'est pour ça, le pompon qui fait bohème, ça j'adore. J'arrive même pas à choper maintenant. Voilà. Donc, je l'avais repéré déjà à Auchan chez nous, la semaine dernière, en faisant nos courses. Chérie m'a dit non, c'est moche, prends-le pas. Il m'a dit c'est moche, ça ressemble à rien. Bon. Et là, je l'ai retrouvé là-bas, je l'ai pris. Il m'a dit mais c'est moche, c'est toujours moche, il m'a dit. Hein. Je m'en fous, je le prends, je le veux, je le prends. Et bien, je l'ai pris. Voilà, bon, sur les manches courtes, ça ne peut pas être coton. Il m'a coûté 15 euros. 14,99, bien sûr. Merchandising, marketing. Mais je trouve mimi. Il est long, il est vaste là. Alors je pense, mais je le voulais parce que je trouve qu'il y a le rappel de la couleur de mes bottes. Vous voyez, cette espèce de, je sais pas, marron camel là, vous voyez là. Puis là, là. Vous voyez là? Ouais, vous en fichez, vous avez raison. Donc ça me rappelle, sauf qu'on est en hiver, Florence. Alors bon, peut-être alors mettez quelque chose par-dessus.
petit gilet belge que j'ai, c'est vrai. Et c'est plus. Enfin, moi, je trouve chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. En robe, ça aurait été génial. Une robe, le vibe comme ça, j'aurais adoré. Ah ouais, j'ai cherché. Bon, j'ai mal au bras maintenant. Alors, action, c'est parti. Alors, je vais faire donc, comme j'ai étalé là, sur le canapé. Nous avons acheté le truc fantastique. Des piles à 1,79. Les Panasonic, il y en a choix pour bien, mais on s'en fout. Je ne vais pas vous faire des tailles comme font les filles, hein, parce que moi ça me marre, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais les piles, c'est toujours important d'avoir chez soi. C'est quand on n'a pas de piles. J'ai pas de piles. C'est que le scotch et la colle. Il faut toujours en avoir. Ça va être intéressant pour ces vidéos. J'ai cédé au moutonnage. Je me suis acheté la crème au gel d'escargot. Non, à bave, le gel à bave d'escargot. Puisque tout le monde l'encense. Donc je vais le goûter, je vais l'essayer. J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Je crois que c'est 2,12. Alors, je vais l'ouvrir, mais. Non, je ne l'ouvre pas parce qu'il est chapeauté. Ah, c'est bien, c'est quand même. Alors, celui-là, c'est un gel vert. Je sais, j'ai de partout. Il y en a qui s'en servent à la place du sérum. Ben, je vais essayer. Ça me paraît plus joli que je suis, plus moche, plus joli. C'est très bien. Des choses dont on a toujours besoin, des post-it, parce que je suis madame post-it, moi. 0,99, c'est des, on ne faut pas dire post-it, c'est une marque. Des mémo sheets, des feuilles mémo. Bref, 0,99, ça vaut le coup. Et puis j'ai pris des choses dont j'avais besoin. Par exemple, le dentifrice. Bah, rien d'ordinaire, le Colgate. J'ai pris n'importe lequel. Fraîche gel. Ah, 0,99 le tube. Franchement, c'est pas cher. Hein. Mais pour enlever l'emballage, je trouve que c'est suremballé le dentifrice, à quoi ça sert? Franchement, moi quand je fais une courte, je prends du sans emballage. Alors j'ai une bas de gamme, mais ça me vient pour les dents 3 fois par jour. Bref, donc voilà. Et parce que j'en avais besoin, c'était sur la liste de courses. Donc j'ai pris là, au lieu de payer celui-ci 2 euros et quelques. Bref. Ça c'était pour mon pur plaisir. Une connerie. C'est faites-vous-même votre bracelet. 0,99. Alors, est-ce que je vais encore arriver à faire ça? C'est pas tellement de saison la couleur, Florence. Mais Florence, elle s'en fout des couleurs et des saisons. Florence, elle fait comme elle veut. D'ailleurs, c'est un petit plaisir, je n'arriverai jamais à me montrer. Ça, parce que ça, j'y tenais à en trouver. C'est les serviettes, les lingettes démaquillantes, vous savez, qui soi-disant. Attendez, plus en fait, je m'en vais plus. Ça se lave à la machine, c'est important. Hein. Je crois qu'on peut se démaquiller à l'eau, simplement. Je peux tenter. Tout le monde en parle. 0,99, j'en ai pris deux. J'ai tout jeté. Chéri qui dort, il va gueuler. Donc j'en ai pris deux, vous l'avez dit. Preuve par l'image, elle est là. Hein? Je me suis trouvé ça, chérie, je vous le dis. Parce que je voulais un agenda. Mais moi, l'agenda, au début, c'est comme les ans. Excusez-moi, mais mon pute, dans ma merde. 10 fois trop grand, il était déjà trop grand l'origine, non, maintenant. Qu'est-ce que j'y ai? Oui. Parce que je voulais. Moi, les agendas, c'est comme les enfants, vous savez. Commence l'école, on écrit bien au début sur des cahiers, on tient bien son cahier, on met des couleurs, tout ça, on souligne, surligne. Moi je fais ça avec des agendas, tout un jour, puis après je l'écris n'importe comment. Donc je ne voulais pas l'agenda de luxe, ça ne me sert à rien, j'ai rien marqué, enfin si. L'essentiel de ce que je mets dans mon agenda, c'est les rendez-vous hospitaliers, médicaux. Donc j'ai trouvé un agenda. Chérie me disait, il n'y en a pas, pour se mettre mon nez dedans, je trouvais. Un agenda donc 2018, ordinaire, hein, j'ai pas ouvert en vol, bon, faut un peu. 1,29, excusez-moi, pour un agenda, c'est suffisant. Et puis j'aime bien la taille, qui ira bien dans ma panière, et puis ce qui peut aller éventuellement dans mon sac, si je deviens une femme d'affaires. Voilà. Je me suis pris. On a toujours besoin de collants. 1,95, la paire de collants, 60 deniers. Et alors il est gris. J'aime bien. Gris, ça tranche. J'aime pas les collants opaques noirs. Moi, je trouve que ça affine pas la jambe. Je suis désolée, je trouve que ça plombe la jambe, au contraire. Moi, j'ai pris du gris. Voilà. Pas cher. Bon, c'est du Twite. La marque, c'est Twite, on s'en fiche. Voilà. C'est assez intéressant, moi, mes vidéos. Pardon, chérie, je sais faire. Ah, un truc dont j'avais besoin également, c'était une brosse à cheveux. La mienne est un peu morte. Donc j'ai pris une brosse à cheveux ordinaire. Il y avait les fameuses fausses Tangle Teaser, j'en ai pas besoin. C'est 1 euro de plus, moi, pour mes 4 poils. Bon, j'attends que la coiffeuse me rappelle d'ailleurs.
depuis hier. 1,59, c'est une très belle brosse, grosse brosse. Il y en avait moins cher, mais déjà, il n'était pas emballé, il y avait déjà des picots partis. Je me suis dit, je me brosse, je vais, il n'y a plus de picots. Après, à quoi sert la brosse en picots? Je peux me dire, voilà, super intéressant. C'est nul en fait ces trucs, hein. C'est complètement con. Alors j'ai commencé à terminer. Alors je voulais du gel, oui, la crème lavante pour les mains. Le premier que j'ai trouvé, c'est-à-dire un machin pour les enfants. Ice, l'âge de glace, je sais pas quoi là, 0,99, bien suffisant. Après j'en ai vu pour les adultes, ils m'ont foutu moi. Mais c'est bizarre, c'est très, très gélifié, je sais pas comment ça va laver les mains. J'en avais besoin. Voilà. Ça, parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais une serviette microfibre pour sécher les cheveux plus vite. J'en ai pas trouvé. Alors j'ai pris ce truc que j'avais déjà vu dans une vidéo. Ça s'appelle, en fait, c'est un gant en microfibre qui aide à sécher les cheveux. C'est-à-dire, vous le mettez sur une main, vous séchez avec l'autre, et vous faites ça et ça sèche vos cheveux. Bon, je sais pas comment je vais utiliser ça. 0,89. Je me frotterai la tête avec, ça séchera. Bah, vous savez quand on débrouille là, là ça... Voilà. Ah, je pris ça au hasard parce que j'en ai plus depuis très longtemps. Oh putain, je vais en trouver un poil bientôt. Voilà, excusez-moi. Je suis très fatiguée, je suis pas habillée. J'ai pris du miel. Du miel, 350 grammes à 1,99. C'est du miel toute fleur, je crois. J'aime bien des fois, vous savez, pour laquer quelque chose que vous mettez au four. C'est bon, ça donne mon goût, j'adore. Donc j'ai pris du miel. Je sais que quand vous regardez, c'est le machin truc. Bah ça coûte rien. J'ai esprit, le miel est forcément pas terrible. Hein. C'est sûrement du sucre, pas du sel. Ou même du glucose. Et ça va. Je me suis acheté, oh là, moi qui n'aime pas ça, mais bon. Une sorte. Ils avaient ça sur l'étiquette des pulls à col roulé, en fait, c'est plutôt un sous-pull, vous voyez, comme on portait avant. Mais bon, c'est pas grave. Coton stretch, j'ai pris un taille L, je ne savais pas XL. On verra bien, normalement ça devrait aller. C'est au 5, ça va faire... Ah ben, on les verra bien. À 2,99. Je l'ai pris en crème, parce que j'en ai pas, et je trouve que le clair au visage n'est pas mieux. Je vais regarder des fois que cette année, on est un hiver, j'allais dire torride, un hiver glacial. Sous-pulsé dans le temps. J'ai pris ça parce que je suis vue dans une vidéo et ça m'intéresse beaucoup. Par contre, il faut le tenir absolument debout, sinon il coule partout. C'est un nettoyant multi-surface au bicarbonate de soude. Et moi, je veux arriver à décrasser mon sol. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sert, mais quand je lave, j'arrive pas à revenir à l'origine, vous savez, ou à la couleur d'origine. Et donc j'ai vu qu'il fallait frotter son sol avec d'abord du bicarbonate de soude, ça décrasse, et ensuite pour faire briller, j'ai vu ça sur internet, bien sûr, il faut utiliser de l'alcool 90. Maintenant l'alcool 90, les pharmacies refusent souvent de vous en vendre. Bon bref, je m'arrangerai avec mon pharmacien, c'est pas le problème. Mais comme je n'avais pas de bicarbonate de soude, je me suis dit je vais essayer ça. Mais bon, comme c'est un petit chiche, je vais finir de nettoyer par terre. Hein. Je vais faire cendrillon, je vais frotter. Ouais, Marie, vous ne vous rendez pas compte de ma vie. Ah, je suis tordue, là, je suis tordue. Ah, les assiettes. J'ai acheté, oui, parce que j'ai des assiettes, toutes des paris, bien sûr. M'en fous, moi. D'ailleurs, je ne reçois pas. Ou c'est rarement. Puis les gens, ils regardent ce qu'il y a dans leur assiette et pas l'assiette. Ah, oui, moi, je ne suis pas chic. Hein. Non. Mais bon, j'ai des vieilles assiettes, très, très vieilles. Même mon fils me dit, maman, ces assiettes, je les ai toujours vues. Et il a 25 ans. 24 ans. Enfin, bref, il a à peu près ça que j'ai. Et les assiettes octogonales noires, tout le monde en a eu. C'est la mode de un temps. J'ai toujours ces assiettes. Je ne peux plus voir en peinture. Donc je me suis. Il y a des partout, ils ont la belle vaisselle. Ouais. Je n'avais pas besoin de vaisselle en vrai. J'ai pas de place pour la ranger, puisque mon meuble s'écroule. J'ai trouvé des assiettes comme ça, des grandes assiettes. 27 cm et demi, ça vous intéresse, à 1,99. Je trouve ça ordinaire, mais j'aime bien. Ah, il y avait toute la panoplie, hein, les assiettes à dessert. J'en ai pris donc deux. Hein. Pas des caisses avant de m'en servir.
Donc je devais aller là, protégé par un torchon. J'en ai acheté deux comme ça. Ils appellent ça des essuie-verres. Alors je l'ai là, vraiment, sinon ça resterait. J'ai trouvé très chic. J'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Puis de temps en temps, les torchons, il faut les changer, parce que les taches, en tout cas les miens, on ne va jamais les revoir. Donc au bout d'un mois, ça s'use, je jette. Et là, donc, 1,29 juin. Il y en avait plein, quand même, de toutes sortes. Plein. Donc j'en ai pris deux. On est bien au bout, mes enfants. Moi, je comprends que c'est carrément chiant. J'en referai pas. Moi, vous me direz, mais je trouve ça inintéressant au possible. Ensuite, ah ça, j'adore. C'est le genre de truc auquel je ne résiste pas. Des corbeilles. Donc, nous en avons quatre, différentes tailles. Non, trois. Putain, je ne sais pas compter, la fille. Il y en a trois. Non, on a marqué 7 de 4. Bon, il y en a 4. Il y en a le quatrième. En vrai, je n'ai pas regardé, mais bon, parce que c'est fermé. À 2,99. Je trouve ça joli. Je vais changer ma déco derrière. Je ne peux plus. On a acheté des tableaux. On a même pas regardé. Des tableaux, des cadres. Voilà. J'ai trouvé dans le chariot qui me précédait quand j'ai rangé le mien. Je me suis dit, tiens, c'est quoi l'idée bonne? Je me suis dit, c'est quoi? Je vais le prendre. Ce sont des pinceaux. La peinture. Hein. Mais comme ils sont très fins, je trouve qu'il y en a un qui peut très bien servir en pinceau eyeliner. Voilà. Voilà. Puis sinon, le jour où je le remets au dessin, je me servir puis quand c'est gratuit, c'est toujours à prendre. Voilà. Et ce que je préfère, et que j'avais vu, mais bon, je lui ai dit que tu vas faire ça. Parce que lui, il n'est pas bricoleur, il ne s'est pas planté un coup. Un clou, un clou. Cette très jolie petite étagère, comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Ce socle est là. Voilà. Tout le monde a voulu l'avoir dans tous les hauts là. Et écoute, elle coûtait 7,49. Quand même, il y avait en blanc et en noir. C'est quand même bizarre. J'ai quand même hésité. Parce que 7,49, c'est pas rien. Et ça, donc comme j'ai ri, ça s'accroche, voyez là. Ici, là, il y a des trucs pour accrocher le mur. Mais chérie m'a dit, non, mais il met deux coups. Il dit, j'ai pas de coups. Il dit, mais arrête, on a des coups. Oui, mais j'ai pas ce qu'il faut pour percer. Enfin, basta. Donc, elle va se retrouver posée comme ça. Il faut qu'elle ait une petite chose ici. Pour changer, c'est mimi, ça. On a fini. C'est bien, hein. Tant mieux, vous en avez vu. Voilà. Rien d'intéressant. Les gens trouvent des trucs. Ah si, j'ai vu un truc, mais chérie m'a dit ça va pas, non, c'est moche. Moi je trouve ça joli. Enfin joli. Ça aurait pu faire un bout de canapé par exemple. Putain Florence, applique-toi. Un pouf, pas moi. Un pouf. En fausse fourrure. Enfin, dessus recouvert de fausse fourrure. Je trouvais ça sympa, beaucoup mieux pour le faire. On a vu sur plein de chaînes aussi. Mais ça me faisait envie, il m'a dit non. Et puis aussi, j'ai vu un truc joli, il n'a convenu plus. Ah oui, moi j'ai aussi un truc de votre marque, je vais mettre un chariot, hein, il le trouvera à la caisse, mais je ne fais pas ça, moi. Je suis quelqu'un de très honnête. Ah, oh, j'ai une sale tête, ça fait peur. Bon, on s'en fout. Il y avait un espèce de petit cheval à bascule en bois, un truc de Noël un peu, avec sur les flancs la même moumoute, enfin, la même fausse fourrure que sur les poufs. Je trouvais ça mignon, il y avait un cheval, il y avait sur, je ne sais plus. Déjà, je n'articule pas si je mets ma main dans ma bouche. Je trouvais que ça aurait pu être joli sur mon. Là, pour changer mon décor. Il n'y a pas goût. Mais j'ai pas boudé. Il m'arrive de bouder. Hein. Enfin, évidemment, le parrain de haut, tu finis par avoir. Bon, et puis la gueule, mais quand j'aurai sûrement, elle sera contente. Ou pas. De toute façon, il ne me regarde pas beaucoup, mon chef. Il me regarde encore, vos maris, vous. Dites-moi. Dites-moi, je suis. Enfin, ouais, aujourd'hui, je n'ai pas la frite. Ça se voit. De ma tête. Mais regardez ma tête. En revanche, un peu joli, on dirait rien à quel chose de particulier. Mais j'ai une sale tête. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser, j'ai rien à dire. J'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais feuilleter un magazine pendant que ma vidéo charge. Je vais me reposer sur le canapé. Et attendre que ma coiffeuse m'appelle. Elle m'énerve. Hein. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Ah, demain peut-être. Ah oui, en fait, j'ai plein d'idées de vidéos. Mais j'ai pas envie de les faire. Pardon à vous. J'ai mes livres, forcément. Je vais faire une vidéo livre. J'en ai bientôt fini 3. Je peux faire une belle vidéo, 3. J'ai qu'un livre, j'en fais une vidéo. Alors. Bon, allez. Je vous aime. Salut. À demain. Au revoir.